T'as pas fait un pli, Romu était mieux placé. Il est en train d'arracher la tête de lui. Ah, mais c'est pas le moment du jardinier, bon sang, et regarde. Thierry Coulanges, Philippe Poulin, Sirigoué, Romain de Delaunay en difficulté sur ce départ de cette troisième manche qualificative. Jacques Pognon qui veut être en train de regarder ça, je peux en voir ses yeux. Il y a une avec le Stéphane Gelet. Allez, attention, Jérôme Thierry, malheureusement, qui s'y mobilise dans la remontée. Voilà tous les biens de l'équipe. Allez, ça revient maintenant sur nous. Philippe Poulin avec la clio du Locat, Thierry Coué bien présent à la troisième place, Romain Delaunay en plus, de plus en plus en difficulté à la quatrième place. Roger Buisson 5, 6, c'est Jean-Luc Poulin. Et 7, Hervé Martin, 8, Alain Prévost, malheureusement, voilà, nous n'avons pas besoin d'Aurel, ni Patrick Gigaud, ni Jérôme Perrier, qui est au ralenti dans la remontée école, et Yannick Jotard s'est arrêté, je vous crois, au niveau du poste 5, voilà, dans le qui se passe. Bon, bah, ça fait beaucoup de monde. Allez, ça se resserre pour les trois. Attention, Thierry Coulon, on n'a pas content de salut pour partir à la faute de voilà, Jérôme Perrier qui rentre à la distance. Le plus rapide entre les quatre coulisses, c'est Thierry Coué en 50-25. Le meilleur tour quand même pour Roger Delaunay, 45-98. Mais c'est pas suffisant. Regarde Thierry Coué qui se rapproche dangereusement de Philippe Poulin pour la deuxième place. Attention, regarde, il y a Romain Delaunay qui reste en observateur. Mais quelle idée pour Romain d'aller gratter la barre dans les talus. Mais on a Hervé Martin qui a quand même tout le bien pour avant d'aller sur le DS3. Ah oui. Ah là, il est bon. Il est bon. Allez, ensuite, on a Roger Buisson. Thierry Coué qui garde, ferme la porte. Il va essayer par l'extérieur, passer, il est à hauteur de Thierry Coué, mais non, Thierry Coué à la corde. Il vient d'être en mieux, Daniel Carton, on n'en veut plus. Il met un tombé en sa coupe. Pas de problème pour l'instant pour Thierry Coué, Chadi Poulain. Thierry Coué, Allez Thierry Coulanges, le dernier tour pour Thierry Coulanges, je suis en route Thierry Coulanges. Thierry Coulanges, sur l'attaque sur Philippe Plain, là-bas au final, au bout de la ligne droite. Est-ce que ça va le faire? Attention les gars, on prête bien la corde, puisque on a pu voir sur les extérieurs, ça glisse beaucoup avec Romain Le Delaunay. Allez Thierry Coulanges, tout va bien pour l'instant. Freddy Poulain ne peut rien faire, même pas en position d'envisager un débordement. Rien, rien à faire. Bravo Thierry, allez comme ça jusqu'au bout. Thierry Coué, bravo. Romain Delaunay, eh bien écoute, Qu'est-ce que veut dire l'autre? Une fois, une fois deux, une fois quatre. Voilà. Et donc, pour la qualité de ce championnat. Philippe Poulin 3, Thierry Coué 4, Romain de Delaunay à la 5e place, voilà, c'est Roger Buisson numéro 25, voilà, Jean-Luc Poulin qui s'est bien rentré à la 6e place pour Jean-Luc avec la Porsche. 7e, on ouvrait, voilà, Alain Brion qui arrive, le numéro 84 avec la Ford Fiesta.